Bonsoir à tous. Et bonsoir à toutes. Bienvenue dans notre édition spéciale Beaucoup de spécialistes. Et toujours aussi peu d'infos. Nous sommes aujourd'hui le vendredi 13, une journée particulière, Patrick. En effet, Céline, en effet, c'est un des 364 jours de l'année où ce n'est pas mon anniversaire. Eh bien, écoutez, Patrick, oui. Toute la rédaction ainsi que les magasins But se joignent à moi pour ne pas vous souhaiter un joyeux anniversaire. C'est pas vrai. D'ailleurs, l'équipe ne vous apportera pas de gâteau, Patrick. Oh la vache, vous avez raison, personne ne vient, personne n'est venu. Non, me dites pas que mes parents ne sont pas venus non plus. Eh bien, ils ne sont pas venus, Patrick, et de loin. Oh la vache. Oh là là, bah fallait pas. C'est ce qu'on s'est dit, du coup, on n'a pas hésité à ne pas le faire, Patrick. Oh là là, eh bien écoutez, je ne vous remercie pas, Céline. Mais moi non plus, Patrick. Le vendredi 13, donc parfois alpin, parfois chemin, jamais châtain. Ah si, parfois châtain, comme en témoigne cette photo, Patrick. Oh la vache. Voilà. Ah oui, oui, effectivement. Le vendredi 13 qui ne laisse personne indifférent. Non mais, le vendredi 13, bon bah... Des fois, c'est pas bien, quoi. Témoignage troublant, effectivement. Des fois, c'est pas bien. Mm-hmm. Tout de suite, pour en débattre avec nous sur ce plateau, bien écoutez les meilleurs spécialistes de la région Provence, Alpes, Côte d'Azur. Bien, avec nous deux, bonsoir, les plus grands spécialistes du vendredi 13. Alors, allez-y. Ah oui, alors non, c'est vous le plus grand, ah oui, hein, donc vous. C'est vous, c'est, voilà. Bon, c'est pour vous. Voilà, voilà, et bah, écoutez, on vous souhaite une bonne fin de soirée. Très bien, bonne soirée. Merci. Voilà. Merci d'être... Ça m'emmerde, je suis venu de loin quand même. Hein. Bon, bah, j'ai garé mon vélib en double fil, je vous laisse. Parce écoutez, il n'y a pas de souci. Voilà. Merci. Merci. Merci encore, merci encore. Alors, Sylvie, la question qui nous brûle les lèvres, Sylvie, eh bien, qu'est-ce que le vendredi 13? Eh bien, écoutez, si vous voulez, c'est un jour. Ou une journée. Ou une journée, d'accord, exactement. De type. Mais qui se situe entre le 12e et le 14e jour de chaque mois, d'accord, et entre le jeudi et le samedi. D'accord. Peur d'avoir été un peu technique. Alors, des questions nous parviennent vraiment de toutes parts, hein, vraiment sur mon tatou, voilà, du Guatemala et Aix-en-Provence. Une question nous brûle aussi le tatou, en disant, vraiment, est-ce qu'un vendredi 13 peut tomber un mardi? Aïe, aïe, aïe. Aïe, 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 aïe. Oui. Ouf. Oui, c'est arrivé en 1983. Oh là, bah, c'est bien. Eh bien, merci Béatrice. Merci beaucoup, merci beaucoup. C'est la fin de cette édition spéciale vendredi 13. N'hésitez pas à réagir sur le hashtag. Ainsi que sur le compte courant. Voilà, à défaut de soulever les questions. Nous les posons parce que c'est moins fatigant. Merci à tous, merci beaucoup. Merci encore. Merci. Bravo. Merci. Merci.